Le Premier ministre d'Ukraine, Arseniy Yatsenyuk, est actuellement en difficulté à annoncer qu'il démissionnait. Ce dernier épisode ouvre la voie à la formation d'un nouveau gouvernement. Я прийняв рішення скласти повноваження J'ai і décidé прем'єр de міністра démissionner du України. poste de Premier ministre d'Ukraine. Ma demande sera soumise au Parlement le mardi 12 avril. Ma décision a été prise en raison de plusieurs facteurs. La crise politique dans le pays a été créée de façon artificielle. Le désir de changer une personne a aveuglé des politiciens et paralysé leur volonté politique pour de réels changements. Le processus de changement de gouvernement s'est réduit à un surplace inutile. Si le Parlement accepte la démission d'Arseniy Yatsenyuk, le gouvernement sera dissolu. Au mois de février, le gouvernement du Premier ministre avait survécu à un vote de défiance. Mais en signe de protestation, deux partis avaient quitté la coalition, privant cette dernière de majorité au Parlement ukrainien. Arseniy Yatsenyuk affirme que les militants du Front populaire sont engagés dans la coalition avec la formation du président Petro Poroshenko. Le Premier ministre apporte d'ailleurs son soutien au président du Parlement, Volodymyr Roisman, pour le remplacer.